seule et unique occasion de sortir. J'ai assisté à un grand nombre de mariages. 9 plus précisément, je crois d'ailleurs qu'au 10e, j'aurai droit à un ensemble de couteaux. Mais trêve de plaisanterie, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir côtoyer le grand amour dans toute sa splendeur. D'abord avec mes propres parents, qui se sont aimés dès le premier regard. Mais aussi et surtout avec les deux personnes que voilà. Ali et Dan. Me demander comment je sais que ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Je vous dirais que non, ce n'est pas seulement parce qu'ils m'ont choisi comme demoiselle d'honneur. Je le sais parce que quand on finit par trouver la femme ou l'homme de sa vie, tout devient naturel, évident et facile, sans effort. Et je le constate entre vous jour après jour. Alors portons tous un toast à Ali et Dan. Puisse leur amour demeurer à jamais une évidence. Merci encore de m'avoir fait ce beau collier. Il est splendide. Si tu savais comment on m'a complimenté sur ce pendentif, tu devrais en faire ton métier, je t'assure. J'ai déjà un très bon travail dans les assurances et dans moins de 4 mois, je gérerai l'entreprise familiale. Mais les bijoux, c'est ça ta passion. Je sais, mais mes parents me font un cadeau incroyable, une entreprise bâtie à partir de rien. Et j'ai vraiment une chance folle qu'ils aient choisi de me la confier pour prendre leur retraite. Allez, ça suffit, on ne va quand même pas passer tout ton mariage au petit coin. Il y a sûrement une valse ou une salsa qui n'attendent plus que toi. Et de beaux célibataires en manque d'amour. Tu sais combien de couples se sont formés à des mariages? Dis-moi tout. Eh bien, je ne me souviens plus du chiffre précis, mais c'était beaucoup en tout cas. Je suis vraiment ravie pour eux, seulement il y a à peine un mois que j'ai rompu avec Dylan. Écoute, il était gentil, mais ça ne marchait pas entre vous deux. Et j'ai pourtant tout fait pour que ça marche, mais on ne m'y reprendra plus, Ali. Je préfère attendre jusqu'à ce que je sois sûre d'avoir trouvé la bonne personne. Une de moins, ça y est. Il ne reste plus que nous sans alliance au doigt. Oh, Lucie, je parie ce que tu veux, que tu seras fiancée avant vendredi. Samedi, je le sens. Tiens-toi prête pour le mariage. Donne-moi au moins le temps de me remettre de celui-ci. C'est normal, il n'y a pas meilleure demoiselle d'honneur que toi. Tu as tiré une larme à tous les invités. Réunissez-vous toutes, les célibataires. Venez sur la piste de danse, car l'heure est venue de lancer le bouquet. Un, deux, trois. Pas déçu, ce sera pour une autre fois. Félicitations, Lucie. Vous permettez qu'on s'assoie? J'ai les pieds encharpés. Avec joie, allez-y. Et rassurez-vous, dans peu de temps, tout le monde dansera pieds nus, vous allez voir. Vous avez l'habitude des mariages, hein? C'est tôt que votre cavalier revient, on s'en va. Je suis seule. Alors ne vous en faites pas pour ça. Vous êtes seule? Une belle femme comme vous? Oui, enfin, en tant que demoiselle d'honneur, j'ai peu de temps à consacrer à qui que ce soit, alors il vaut mieux que ce soit comme ça. Eh bien, mon neveu Spencer est libre. Il a à peu près votre âge et il vient quitter sa femme. Non, plutôt mon fils David. Il serait grand temps qu'il trouve chaussures à son pied. Ils m'ont l'air vraiment chouettes, mais on ne doit pas chercher l'amour à tout prix. Quand on croise son chemin, c'est lui qui nous tombe dessus comme une tonne de briques, n'est-ce pas? Gladys, c'est ma chanson. Tant pis pour mes pieds, la musique m'appelle. Bon, au cas où vous voudriez rencontrer mon fils, je vous laisse sa carte. Quand je vois une jeune femme célibataire aussi jolie que vous, je ne peux pas m'en empêcher. Appelez-le. Je vous promets d'y réfléchir, en tout cas. C'est justement ce qu'il me faut. Merci beaucoup. Voulez-vous ajouter un mot pour Ali et Dan? On ne vous a pas appris à ne jamais interrompre une femme avec un morceau de gâteau dans la bouche. Je pensais arriver avant la fourchette, mais vous êtes rapide. Apparemment, je choisis très mal mon moment. Je faisais juste une pause avant d'être à nouveau accaparée par la mariée. À qui est cette part?
personne. Elle est posée là, rejetée, à attendre preneur à la table des célibataires. Dans ce cas, je me vois dans l'obligation de l'adopter. J'aime mieux vous prévenir. Si vous vous éternisez, ces deux-là vous auront marié à un membre quelconque de leur famille d'ici vendredi. Vendredi ? Ah, c'est ma soirée poker. Je peux pas. Dommage. Kyle Taylor, documentariste et aussi vidéaste de mariage. Becca Foster, dans les assurances la semaine et demoiselle d'honneur le week-end. Alors, où en seront Ali et Dan dans 10 ans à votre avis? Vous venez de recommencer, vous trouvez toujours le pire moment. D'accord, je démissionne, j'abandonne. Au moins vous avez filmé la cérémonie. Oui, et votre discours? Vous pensez vraiment tout ça? Que l'amour est facile et qu'il est sans effort? Pourquoi, pas vous? Vous filmez constamment les noces de gens amoureux. Oui, et je vois des choses plutôt gênantes. Je finis par les couper au montage, mais rien n'est facile. Surtout pas l'amour. Bon, eh bien, au boulot. Bonne chance. Je disais ça pour vous. Attention! Oh, ça va partir, t'en fais pas. Tu les fais, tamponne-la doucement. Voilà. D'accord. Doucement. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un peu d'eau pétillante, s'il vous plaît. Et ne touchez pas à cette assiette, merci. Merci, c'est très bien. Oh, ça a l'air vraiment... Excuse-moi d'être en retard. Avec merci. Les courses de dernière minute et toutes les valises, je n'ai même pas pris le temps de souffler. Très bien, je vous accompagne à Tahiti pour vous faciliter la vie. Je t'ai pris un latte. Oh, je t'adore. Merci beaucoup. Je t'ai noté les instructions et voici les clés. J'ai veillé sur Arlo plus d'une fois. C'est vrai, mais là, je lui fais suivre un régime. Le pauvre est super complexé, alors ne lui parle pas de son poids. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Pars tranquillement et profite de ta lune de miel. Mais il se peut qu'après ça, j'ai un peu de mal à le garder parce qu'une fois que j'aurai repris l'affaire, je n'aurai plus une minute à moi. Je sais. Tu es sûre que c'est ce que tu veux? Bien sûr. Oui, ça a toujours été prévu comme ça. Tu n'as pas l'air super enthousiaste, Becca. Quoi? Si, tu plaisantes, c'est juste beaucoup de pression. Comme mes parents ont monté cette affaire à partir de zéro, je n'aimerais pas qu'elle décline sous ma supervision. Ils savent que tu es la meilleure. C'est pour ça qu'ils t'ont confié les rênes, l'esprit tranquille. Merci beaucoup. Une seconde. Ce serait pas Kyle? Vous n'aviez pas dit que vous partiez en lune de miel? Oh, on décolle ce soir. 8 jours à Moréa. S'il vous reste de la place, emmenez-moi, je paie la crème solaire. Déjà tenté, mais elle a dit non. Vous vous souvenez de Becca? Ah oui, l'incorrigible romantique. Oh, vous dites ça comme si c'était un problème. Bien au contraire, la mission de ce discours était de faire la part belle aux mariés. C'était parfaitement réussi. C'est un petit peu plus que ça, je pensais tout ce que j'ai dit. Génial, ça rendra bien mieux à l'image. Bon séjour à Tahiti. Merci. La Orana. Comment tu le trouves, Becca? Il est plutôt mignon et je ne vois pas d'alliance à son doigt. Il m'a traité devant toi d'incorrigible romantique, comme si c'était un gros défaut. Ce n'est sûrement pas ce qu'il voulait dire. Il est drôle et mignon. Ce n'est pas du tout mon style. Il a fait sa demande. Il a fait sa demande. Je voulais absolument que tu vois la bague. Tu l'as aidé à la choisir? Il m'a demandé où aller et il a fait le reste. Mes félicitations, Lucie. Merci beaucoup. Bon, tu connais déjà la question. Et tu sais très bien quelle va être la réponse. Tu es plus qu'une simple cousine. Tu es ma meilleure amie, alors ça compterait beaucoup pour moi que tu sois ma demoiselle d'honneur. Évidemment. Avec joie, Lucie. L'auberge n'est disponible que le 9 juin, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps. Et je sais que ton travail risque de beaucoup t'occuper à ce moment-là, alors je promets de ne pas être trop insupportable. Je te rappellerai cette promesse. Je vais marier! Tu vas te marier! Tu vas rencontrer l'ami de Craig dont je t'ai parlé, Eden. Ce sera son témoin. Un très bon parti, il va beaucoup te plaire. Il est probablement très gentil, oui. Il faut que je me sauve. Craig m'attend dans la voiture, mais j'avais hâte de te l'annoncer. Ça me fait tellement plaisir pour vous. Dis bonjour à Craig de ma part. Je t'aime. À bientôt. Bonne journée, Lucie. Bon,
parti pour un tour. Bonjour Becca. Tu as commencé tôt. À quelle heure dois-tu voir Ingrid Golden? Elle ne devrait sans doute pas tarder. C'est une de nos plus grosses clientes et elle est ravie de pouvoir travailler avec toi maintenant. Je crois que j'ai un peu peur de ne pas être à votre hauteur. Arrête donc tes bêtises, tu es de la même taille que ta mère. Lucie, t'as appris la nouvelle? Eh oui, elle est passée me voir dès qu'elle a eu la bague au doigt avant-hier. Il y a tellement d'événements heureux qui se préparent dans la famille ces jours-ci. Avec ce nouveau mariage et toi qui vas nous remplacer. Et notre retraite à fêter. Qui veut du café? Et comment s'est passé le mariage d'Ali? Bien, c'était magnifique, romantique. Et as-tu fait des rencontres? Une petite fille absolument adorable. Je ne parlais pas de ça. Je pense qu'elle sait à quoi tu fais référence, Joyce. J'avais beaucoup trop à faire avec Ali. Ne l'embête pas trop. Sa priorité, c'est l'entreprise en ce moment, et c'est normal. La pauvre a attendu ça toute sa vie. Oh, pause terminée. Ingrid, quelle joie de vous revoir. Bonjour. Bonjour Ingrid. Joyce, on va pouvoir parler un peu. Oui. Rejoignez-moi dans mon bureau après ça. Super. Orfer. Je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir une nouvelle franchise. Et j'en ai pris trois. Je fais une folie. Pas du tout Ingrid. Croyez-moi, il n'y a pas de meilleur sandwich au monde que les vôtres. Bien. Je vous laisse avec Becca pour qu'elle finalise vos nouveaux contrats. Vous êtes entre de bonnes mains, Ingrid. Votre mère vous voyait déjà reprendre les rênes le jour où j'ai ouvert ma première boutique de sandwich en 92. Et elle m'en parle à moi depuis que je suis venue au monde. Je vous laisse le soin de deviner la date. Ceux qui disent qu'on ne peut pas tout avoir, le mari, le travail, les enfants, il faudrait qu'ils prennent exemple sur des femmes comme nous, n'est-ce pas? Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants. Oh, c'est vrai? Eh bien, chacun de nous a une âme sœur et votre tour viendra. J'en suis sûre. Maintenant, si nous parlions un peu des contrats... Joyeuse fête de fiançailles! Merci! J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, qu'il est beau! J'ai fait exprès de ne pas mettre de bijoux au cas où. Est-ce que je suis si prévisible? Tu m'as demandé une photo de ma robe, alors je me suis doutée que c'était pour ça. Oh, il te va vraiment à merveille. Tu as un don pour ça, Becca. Je l'adore, merci beaucoup. Lucie, le traiteur a une question pour toi. Quelle belle fête, oncle Paul. Oh, que veux-tu? C'est ma fille unique. Et je vais mettre le paquet. Ça va être ma plus grosse production de l'année. Oh, il est très sérieux. Il veut des images de tout, du buffet au moindre bouquet de fleurs. Tout est digne d'un film pour lui. Mais tu verras, dans 10 ans, tu repenseras à ce moment et tu me remercieras sûrement d'en avoir fait toute une histoire. Tu viens, on nous attend en cuisine. D'accord. Essaie de trouver Eden, notre témoin. Phil, va rejoindre ton père. Vous avez toujours le don de tomber à pic. J'ai pourtant tellement travaillé ça depuis qu'on s'est vu. Juré, je ne mange pas que du sucre, mais ça semble dommage de laisser ces jolies gourmandises se perdre. Le pâtissier a dû suer sang et eau pour les faire. Certainement. Je crois même que c'est un geste désintéressé de votre part et un vrai sacrifice. Super, j'aime cette version. J'oublie ce que j'ai vu. Et nous avons vécu seulement tous les deux, Lucie et moi, durant 16 ans. Et quoique j'ai produit beaucoup de films à grand spectacle au cours de ma carrière, films de guerre ou films d'époque, tout ça n'est que du travail d'amateur à côté de la super production que je prépare pour le mariage de ma seule et unique fille dans 10 toutes petites semaines. À Lucie et Craig. À Lucie et Craig. Santé. Ça paraît tellement évident, je me sens piégé. Allez, vieux, fais-le pour moi. Très bonne idée. Ouais. Becca, je te présente Eden. Il est revenu en ville juste à temps pour être à ma disposition. Oh, enchantée. J'ai l'impression qu'on va devoir passer beaucoup de temps ensemble à œuvrer au futur bonheur de ces deux-là. Je ne vis que pour ça. Ouais. Ce gars-là, c'est le meilleur qui soit, une vraie perle. Oui, il paraît. Oh, faut que j'aille dire bonjour à quelqu'un, mais je vous laisse faire plus ample connaissance. Il aurait peut-être pu être plus subtil. Non, je doute que ce soit dans sa nature. Je vous avoue que je n'aime pas trop ce genre de guet-apens. Je ressens la même chose. Vous aussi?
L'impression de devoir se vendre et de subir un interrogatoire. Mon dernier rendez-vous arrangé ressemblait à un entretien d'embauche avec une porte de prison, alors. Ils croient vraiment qu'on ne voit pas clair dans leur petit jeu. Je pense que ça leur est totalement égal, mais en tout cas, pour moi, ces choses-là doivent se faire de façon naturelle. Oui, complètement. Ça ne se commande pas. Eh bien, disons qu'on est de simples connaissances, avec les mêmes responsabilités, et si on se découvre plus d'affinités, tant mieux pour nous. Je suis d'accord. On va faire comme ça. Vous vous cachez ? Ces belles chaussures. Elles me font vivre un enfer. Je faisais une petite pause. Et ce guet-apens, qu'est-ce qu'il a donné ? Le témoin a-t-il une chance ? Comment est-ce que vous savez ça ? Oh, facile. Ça se voyait comme le nez au milieu du visage. Peut-être que ça manque d'imagination, mais Lucy et Craig essaient de faire de leur mieux. Bon, eh bien, peut-être que vous seriez plus tranquille maintenant. Ça, je n'y crois pas trop. Ils ont l'air convaincus qu'on forme le couple parfait. Comme mon oncle l'a dit, ce n'est que la bande-annonce et le spectacle reste à venir. J'ai vu certains de ces films. C'est impressionnant. Vous aussi, vous filmez. On n'a pas souvent la chance de rencontrer un producteur. Vous devriez lui parler de votre travail. Ah, ce qu'il fait, c'est pas vraiment mon rayon. Je préfère la non-fiction, moi. Pas besoin de scénario. Les mariages sont assez mouvementés, je suppose. Ah oui, notre vraie nature se révèle dans les moments d'extrême tension. Et le mariage, c'est cette tension puissance 10. Tout n'est pas toujours dramatique. Certains de ces moments sont d'une merveilleuse intensité. Ah voilà, votre côté romantique ressort. Si vous saviez ce que j'ai vu. Vous parlez d'une seule journée sur une vie entière, moi je vous parle de toutes les autres. Je me fie peut-être à mes propres rencontres. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vécu le grand amour qu'il n'a pas la moindre chance d'exister. Le fait d'y croire ne suffit pas à le faire exister non plus. C'est normal de préférer une version fantasmée de la vie où tout se termine bien. Ça s'appelle la confiance. Je ne suis pas d'accord. Ça, je crois qu'on l'avait déjà compris. Écoutez, je peux me tromper. Je vous le confirme. Et vous aurez l'occasion de le prouver. Peut-être même avec le témoin. Auquel cas, j'admettrai publiquement mon erreur. Je vous laisse. On se voit à l'essayage mardi. Vous serez présent à l'essayage ? Oh, je serai là tous les préparatifs du mariage. C'est un film à grand spectacle que prépare votre oncle. Vous aurez de multiples occasions de me montrer à quel point je me trompe sur tout. Faites-leur parvenir le nouveau contrat et moi je ferai le suivi après l'essayage de Lucy. Je serai probablement revenue d'ici 11 heures. Entendu. Et surtout, prends des photos. Bien sûr, je n'oublierai pas. Symétrique, élégante et faite pour une mariée. Non, j'étais malade ce jour. Vous devez être Becca. On vient juste de commencer. Oh, tant mieux. Bonjour, grand-mère. Excuse-moi pour le retard. C'était la folie ce matin. Est-ce que j'ai manqué des robes? J'attends de voir la toute première, mais j'ai promis de ne pas pleurer. Oh. Wow. Bon, je vais peut-être verser quelques larmes, finalement. Mais ce sont des larmes de joie. Quand on voit sa cousine... Ou sa petite fille. Quand on se voit soi-même dans une robe de mariée pour la première fois. Tout le monde est présentable. Est-ce que je peux sortir? Oh oui, venez vite, Kyle. Waouh. Magnifique. Tournez-vous un petit peu. D'accord. Becca, tu sais, ce n'est pas parce que c'est le tour de ta cousine que tu dois ressentir la moindre pression. Il n'y a pas d'âge limite pour se marier. Je sais que mon tour viendra. C'est plutôt les autres qui semblent en douter. Non, personne n'a le moindre doute. En tout cas, c'est sûr qu'ils en parlent beaucoup. Je ne sais pas, je la trouve un petit peu trop... gonflée. Je ne vais pas dire audacieuse. Il me semble qu'elle me grossit un peu des hanches. Essayons la robe plus romantique avec les bretelles ultra fines. Oui. Oh, je sens que ça pourrait très bien être la bonne. Comment on se retrouve? Grand-maman, voici Kyle. Kyle, voici notre adorable grand-mère. Très heureux, madame. Ravie de vous rencontrer, Kyle. Comment est-ce que vous vous connaissez? On s'est vu à un autre mariage et ensuite à la fête de fiançailles. Et on a vite sympathisé. On a la même philosophie. Vous trouvez? Becca, Lucy dit que c'est vous qui avez les bijoux. Oh, oui, désolée, ils sont dans la voiture. D'accord. Oh,
crois que ça y est. Ouais, c'est la bonne. J'en étais sûre. Le coup de foudre, c'est toujours comme ça que ça se passe. Elle est vraiment faite pour toi. Et en cadeau? Oh, elles sont magnifiques. Juste les boucles d'oreilles pour commencer. Je voulais voir le décolleté avant de faire le reste. C'est exactement ce que je voulais. Et avec le chignon, ce sera parfait. C'est aussi ce que je me suis dit. Merci, Becca. Oh, elles sont fabuleuses. Vous faites des bijoux? Mm-hmm. Vous avez une collection? Non, non, je fais seulement ça pour moi ou parfois pour offrir à des amis. Elles sont superbes. Si vous aviez une ou deux pièces de prête, il m'arrive d'exposer de nouveaux créateurs dans ma boutique. Et ça marche? Certains vendent plus que d'autres, mais on peut toujours faire l'essai et voir ce que ça donne. Ah, d'accord. La prochaine fois que j'ai un peu de temps libre, je viendrai vous voir. Bon, maintenant que j'ai terminé, habillons la demoiselle d'honneur. La barbe à papa. Non, en fait, j'allais dire Cendrillon, mais... T'as raison, on passe à la suivante. Oui. Au secours, je crois qu'il me faut un mode d'emploi pour celle-ci. Oh, oh. C'est... Comment ça se fait? Attends, il y a une deuxième bretelle, là. Oh, essaye de passer le bras gauche dans... Mais doucement, on va la déchirer. Attends, à la fois. Oh, Becca, tu es tellement... Bleue. Je sais, elle est superbe, non? De toute beauté. D'ailleurs, je crois que même un sac à patates irait. Est-ce qu'ils en ont? Parce que je suis à peu près sûre d'avoir essayé tout le reste. Moi, je parie que cette couleur est très photogénique. N'est-ce pas, Kang? Ouais. La couleur, c'est toujours un atout. Tu vois, la couleur, c'est toujours un atout. Alors, tu pourrais essayer la jaune? La jaune. Vous vous êtes décidé pour la robe jaune, alors? Décidé, c'est un bien grand mot, je trouve. Lucie l'a choisi et je voulais préserver notre amitié. Et puis, c'est toujours joli, le jaune. Vous êtes sérieuse? Non, c'est horrible. J'ai l'air d'une banane. Et puis, il y a cette histoire de bretelles. Est-ce qu'on les met ou on ne les met pas? Mais c'est Lucie qui tranche. J'ai fait un paquet de mariages et vous êtes une super demoiselle d'honneur. Je serais bien passée pro, mais ça m'exclurait des Jeux Olympiques. Non, c'est ouvert aux pros, maintenant. Alors, je vise la médaille d'or. Comme ça, vous êtes créatrice de bijoux? Non, je travaille dans les assurances et je fabrique des bijoux. C'est un charmant petit passe-temps, comme le dit si bien ma mère. Un passe-temps, c'est pas un truc pour lequel on est doué. Sinon, on choisit d'en faire son métier. Ce n'est peut-être pas une question d'argent. On peut faire ça par plaisir. Et certains hésitent à se lancer par peur. Excusez-moi, je n'ai pas du tout peur. Je ne parlais pas de vous, j'ai dit certains. Mais maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'on vient de vous offrir une superbe occasion, là. Pourquoi refuser cette chance? J'ai une vie très occupée en ce moment. Vous savez ce que je pense? Non, mais j'ai l'impression que vous allez me le dire. Je crois que vous êtes une artiste qui travaille par dépit dans les assurances. Et moi, je crois que vous jouez un peu trop les psy. C'est logique. Les assurances, c'est fait pour gérer les risques. Faire en sorte d'être protégé en cas de catastrophe, c'est sans danger. Mais faire preuve de prudence est un atout pour beaucoup. Je n'ai pas dit le contraire. Être artiste, c'est risqué. C'est imprévisible, c'est pas conventionnel. Oui, et c'est pour ça que je reprends une entreprise lucrative et que je fabrique mes bijoux en dilettante. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous faites des bijoux? Mais parce que j'aime ça. C'est un défi et en même temps, ça a un côté méditatif. J'ai la chance de créer des pièces qui existent seulement dans mon imagination. Et puis, j'aime qu'une femme se sente comme une reine quand je lui offre le bijou parfait. Vous savez ce que je pense? Pourquoi me poser la question puisque vous comptez me le dire quand même? Avoir votre visage lorsque vous en parlez, ce sont les assurances qui devraient être votre petit passe-temps. Certainement pas les bijoux. On se revoit dans la semaine. Vous prononcerez votre discours l'un après l'autre. À moins que vous fassiez équipe pour n'en écrire qu'un. Puisqu'on vous connaît tous les deux séparément, je crois que chacun fera le sien, hein? Ouais. À vous de voir. Vous avez réservé vos chambres à l'auberge, j'espère? Il y a plusieurs jours. T'en fais pas, ce sera le mariage parfait, Lucie. C'est toujours le mariage parfait avec moi. C'est fou que personne n'ait encore pensé à tenter une carrière de demoiselle d'honneur. Est-ce qu'il y a un diplôme pour ça ou... Pas de mon temps, mais j'ai fait une école d'art avant-gardiste, alors ça pourrait fort bien arriver. Comment on passe d'une école d'art aux assurances? D'une école d'histoire de l'art aux assurances. Ah, c'est bien plus logique, en effet. J'ai aussi un diplôme de gestion d'entreprise. Je n'ai pas seulement arpenté les musées, j'ai même été abonnée à un quotidien économique, fut un temps. J'ai fait ce diplôme pour moi et l'autre pour mes parents, pour leur succéder. Et vous reprenez les rênes bientôt? En juillet, juste après le mariage. Oh, waouh. Ne lui en demandez pas trop, tous les deux, ça fait beaucoup pour une personne. Cela dit, je veux bien reprendre le côté mariage. Je compte sur votre aide. Je connais tous les bons trucs.
À votre futur mariage. Oui, au mariage. À ce futur mariage. Santé. Santé. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Désolée de débarquer comme ça, mais j'ai une belle surprise pour toi. Une surprise? C'est le contrat. Il n'entrera en vigueur que dans 6 semaines, mais il ne nous reste plus qu'à le signer. On voulait que tu aies tout ton temps pour le parcourir. On sait que tu as énormément à faire en ce moment avec le mariage de ta cousine. Ça te fait plaisir? Bien sûr, oui. J'avoue que ta réaction n'est pas vraiment à la hauteur de ce que j'espérais. Je suis seulement un peu émue, c'est tout. Je comprends. J'ai hâte de pouvoir m'investir dans l'entreprise familiale. Je veux juste en être sûre. Vous verrez que vous serez fiers de moi, papa et toi. Oh, Becca, on l'est toujours. Tu viens, je t'offre un café. D'accord, je te suis. Karen. Ah, vous voilà enfin. Lucie est en retard, je filmais l'essayage de costume de Craig et ses témoins. Je me suis dit qu'être ici, c'était plus important. Je vais vous faire une confidence. Le mariage tourne surtout autour de la mariée. Je l'avais bien compris. C'est déjà mon 3e mariage rien que cette année. Ah, c'est mon 23e. Waouh, vous êtes très demandé. Je fais pas les choses à moitié. Je vois ça. Quoi? Vous tenez parfaitement l'amour à distance. Je suis loin d'être un moine. Qui plus est, on n'a pas tous des parents qui sont l'exemple du couple parfait. Alors, comment faites-vous pour tourner d'aussi belles vidéos de mariage? J'ai vu celle d'Ali et d'Anne. Raconter des histoires, c'est ma passion. Parlez-moi un peu de vos autres films, pas des histoires d'amour dont vous coupez le côté sombre au montage. J'essaie de mettre en lumière des sujets qui n'éveillent pas assez l'attention et d'en informer le public. Sur quoi? Vous voulez le savoir? Oui, je veux vraiment savoir. Très bien. Venez me retrouver demain, à la salle de montage. Ça vous changera un peu des assurances. Vous dites ça comme si c'était assommant, Kyle. Pas du tout. Je veux simplement mettre en lumière quelque chose qui réclame votre attention. Salut, désolée, vous avez commencé? Non. Non. Regarde, on n'a plus qu'à goûter. Ça en fait des gâteaux. Joli bureau. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai une entente avec la chaîne. Je fais un peu de boulot pour eux et ils me laissent utiliser le matériel. On est loin de la vidéo de mariage. Oui, ça n'a rien à voir avec ça. Voici le caporal-chef Adam Wiley avec Emra, une chienne qui, soit dit en passant, est plus haute gradée. C'est peu connu, mais dans l'armée, les chiens ont toujours un grade plus élevé que leurs compagnons d'armes et maîtres chiens, en signe de respect. Ça paraît normal. Alors, sur qui braquez-vous les projecteurs? Ma mère. C'est elle, là. Et elle s'est trouvé un projet au poil pour s'occuper. Pardonnez-moi le jeu de mots. Depuis qu'elle a pris sa retraite de l'armée, elle a mis sur pied un programme d'aide pour que les soldats puissent adopter les chiens avec qui ils ont servi. Quelle idée fantastique. C'est pas de l'amour, ça? Le meilleur ami de l'homme. Il sauve littéralement des vies. Métaphoriquement, ça veut dire beaucoup. Mais vos vidéos de mariage veulent dire beaucoup pour plein de gens. Peut-être pas tant pour vous, mais c'est un cadeau superbe que vous offrez au couple. Ouais, mais ça peut me faire percer. Est-ce que votre mère l'a vu? Non, c'est pas encore prêt. Mais moi, je le vois aujourd'hui. En partie seulement. Je crois ce documentaire et je veux qu'il soit parfait. Je sens comme de la peur dans votre voix. Quoi? C'est un prêté pour un rendu, non? Ça vous dit un café? Pour te dire, une fois j'ai montré un film avant qu'il soit prêt et depuis, il moisit sur une étagère, dans mon appartement. Je ne peux pas juger de vos autres films, mais celui-ci est important. D'abord à cause de votre mère, qui a l'air incroyable, et parce qu'il nous rappelle qu'il y a aussi du bon dans chaque être humain. Et on en a besoin, c'est pour ça qu'il faut le montrer. Je finirai le montage avant notre départ pour le mariage de Lucie et Craig. Ça me laisse quelques semaines. Et vous alors? Comment ça, moi? C'est pas un marché à sens unique. Ce n'est pas un marché du tout. Oh, maintenant si. Faut joindre l'acte à la parole. Faites des bijoux et exposez-les. Et si je n'en vends aucun? Vous les offrirez. Qu'avez-vous à perdre? Du temps et quelques petits sacs de perles? Je n'utilise pas de perles, seulement des cristaux et des pierres fines. Je produis une gamme de qualité. Ce sera une autre occasion de me prouver à quel point je me trompe. Alors ça, c'est l'argument parfait. Donc, marché conclu.
Très bien. Marché conclu. Et toutes mes excuses aux Hankman pour avoir annulé leur rendez-vous aujourd'hui. J'ai eu un petit imprévu, mais ils peuvent compter sur moi demain à 15h. Et vérifier que les Edinger ont reçu leur assurance vie. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux et j'aimerais pouvoir les rencontrer en personne. D'accord, parfait. Contactez-moi s'il y a le moindre problème. Très bien, merci. L'art de faire 1000 choses à la fois? C'est de la folie, mais j'ai promis à la boutique que je leur apporterai la collection au moment de ton essayage en fin de journée. Pourquoi tu as changé d'avis à propos de tes bijoux? Je crois que j'ai eu envie de savoir si ça marchait ou non. J'ai eu peur d'avoir des regrets plus tard. Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment de m'aider à terminer. Évidemment qu'on a répondu présent. Tu as toujours été là pour nous deux. Et on te le rendra au centuple quand ton mariage arrivera. On te prépare un truc grandiose et qu'on trouve l'heureux élu. Bon, trêve de bavardage. Je dois aller finir une soudure. Elles sont splendides. Je trouve le corsage beaucoup mieux maintenant qu'il est ajusté. Ta mère serait fière de te voir comme ça. Si seulement elle était présente cette journée-là. Je sais. Mais ce sera des heures de joie. Alors on ne pleure pas. Voilà. Comme promis. Becca, ces bijoux sont magnifiques. Je vais les mettre en vitrine, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Ma chérie, comment vas-tu? Tu as l'air épuisée, Trésor. Non, non, ça va. Disons que ça fait beaucoup entre le mariage et la compagnie à prendre en charge. Becca, tu as la manie de faire passer absolument tout le reste avant toi. C'est la plus grande de tes qualités et ton plus gros défaut. Essaie de te ménager un petit peu, s'il te plaît. Je le ferai. C'est promis. Il ne vous reste plus qu'à signer ici et nous soumettrons votre contrat au souscripteur aujourd'hui. Vous avez été extrêmement efficace. Et même si je suis bien déçue de vous perdre, je me sens vraiment entre de bonnes mains. Tant mieux, Ingrid. J'ai un nouveau directeur de production, Ethan. Il est fantastique. Je crois que je vais vous le présenter. Oui, nous serons ravis de lui parler. On se revoit bientôt. Avec plaisir, Ingrid. Merci de votre patience. Merci à vous. Oh, Ingrid. Joyce. Que votre retraite se passe bien. Merci, je compte en profiter. Elle veut bien faire. Tu as tout pour plaire, chérie. Oh, ce que j'aime le plus, c'est le bas de la page avec ta signature. D'autres magasins. C'est un énorme contrat. Je sais, c'est super. Allô? Becca? Lucie? Je suis en réunion avec ma mère. Bonjour, Lucie. Bonjour, Tante Joyce. J'ai besoin de votre aide, on est à l'hôpital. Craig a fait une intoxication alimentaire. Oh. Et ça va aller? Oui, ça va passer. L'ennui, c'est que Craig est branché à une perfusion alors qu'on devrait être en route pour l'auberge afin de faire la dégustation des menus. Est-ce que tu peux me remplacer? S'il te plaît. Je travaille, Lucie. Tante Joyce, est-ce que Becca pourrait me sauver la vie et prendre son après-midi? Sinon, tout le monde devra se contenter de hamburger à mon mariage et Becca, je t'informe que c'est toi qui devras cuisiner. Je ne crois pas qu'on devra en arriver là. Évidemment qu'elle a la permission. Souhaite un prompt rétablissement à Craig, ma chérie. Merci, Tante Joyce. Ce sera fait. Kyle, qu'est-ce que vous faites là? Lucie m'a prévenu que vous alliez la remplacer pour la dégustation et je me suis dit que ce serait bête de prendre deux voitures. Je suis garé juste au coin. Pourquoi on vous fait venir? Les mariés ne seront même pas là. Ça fait partie du film. Et puis, je ne manque pas la moindre occasion de vous voir manger. Oui, j'avais remarqué. Vos parents vous ont laissé vous absenter en pleine journée? La famille passe avant tout. Les affaires sont secondaires. Pas de frères et sœurs pour prendre le relais? Non, seulement moi. Ah, l'enfant unique. Seul espoir de la famille, je connais bien. Vous aussi? Oh oui. Je ne pourrai peut-être pas perpétuer notre nom, mais le patrimoine repose sur mes épaules. Je connais. C'est pour ça que j'ai toujours voulu un frère. Et aussi pour l'accuser quand je faisais des bêtises étant petit. Je ressentais la même chose. Attendez, je rêve là. Est-ce qu'on est du même avis? Oui, j'ai l'impression. Bizarre. Ça fait tout drôle. Je sais, oui. Ne vous y habituez pas. Demander si vos bijoux se vendent ou pas. Elle m'a dit qu'il me tiendrait au courant. Je ne veux pas la déranger. Ça fait que 3 jours.
Vous ne voulez pas connaître la réponse. Je veux la connaître uniquement si elle est bonne. D'accord, c'est vrai. J'ai peur. Ma voie a toujours été toute tracée. Je n'ai pas eu à me demander ce que je pouvais faire dans la vie. Et j'ai peur d'avoir la réponse parce que j'ai l'impression que ça va tout chambouler dans mon existence et que je vais devoir changer un tas de choses. Je vous l'ai dit une fois, l'art, c'est risqué. C'est ce qui fait tout son charme. À votre tour maintenant. Est-ce que le montage a avancé? Non. C'est plus facile de trancher quand il n'y a pas d'implication personnelle. Alors, pourquoi avoir raconté cette histoire? Eh bien, ma mère est une femme époustouflante. Après le départ de mon père, elle n'a pas baissé les bras. Elle m'a élevé seule, tout en continuant à servir son pays. Alors ce film, disons que c'est ma façon de lui rendre hommage. Une œuvre n'est jamais terminée, mais à un moment, il faut savoir dire stop et ne pas céder à la tentation de remettre une perle. Vous n'utilisez pas de perles. Juste pour les besoins de la métaphore. Becca! Eden, ça alors? Qui vous a prévenu? J'ai eu un message qui disait que le futur marié était hors service et qu'on rappelait les troupes. Alors, me voilà au rapport. J'ai repoussé ma réunion. Vous savez où on doit aller? Désolée, Kyle, le vidéaste officiel, voici Eden, le témoin. Oh. On s'est déjà vu. Ouais, à la fête de fiançailles, je crois, mais on n'avait pas été présentés. C'est ça. Je vais tout installer. D'accord. C'est savoureux. Vous me laissez quand même un peu de saumon. Merci hein. Infiniment. Merci. C'est super bon. Vous croyez qu'il nous en rapporterait si on faisait semblant d'hésiter? On peut toujours essayer. En tout cas, moi, je passe au poulet. Vous voulez goûter, vous aussi? Non, ça va. Je me régale avec les yeux. Une seconde, vous allez voir. Essayez-moi cette petite purée, vous m'en tirez des nouvelles. Wow, ouais. C'est incroyable. Que dites-vous de cette sauce? C'est riche, on sent bien le beurre. Ouais, mais il y a de la truffe. Peut-être, quelque chose oui. comme ça. Il y a de la truffe, c'est sûr. Pardon, excusez-moi. Désolé de vous interrompre, mais je voudrais faire un plan sur le poulet. Oh. L'assiette est tellement belle. Le poulet. Ouais. Avant qu'on l'ait englouti. Est-ce que vous pourriez vous pousser un petit peu? D'accord, comme ça, ça va? Est-ce que vous voulez... Vous savez quoi? Enlevez carrément la chaise, en fait. Je m'en vais. Oui, retirez complètement la chaise. D'accord. Voilà, là c'est comme parfait. Ça ouais. Bon, vous savez ce que je vais faire? Ça va là? C'est génial. Juste, je vais me mettre sur la gauche. Comme ça, vous avez le champ libre de votre côté pour pouvoir filmer tout ça. C'est parfait. Ah ouais, c'est mieux. C'est même beaucoup vous mieux. Vous avez tous les plats, je crois. C'est impeccable comme ça. Magnifique. Je vous laisse les crevettes par contre, je suis allergique. Oh, on va leur demander d'emporter ça, faut pas prendre de risques. Non, c'est pas la peine. Ça me donne juste de l'urticaire. C'est embêtant. Ouais. Je vous explique. Je vais quand même faire un plan des crevettes, juste Becca et l'assiette. D'accord? Je vous les présente? Bonne idée. Vous êtes consciencieux. Non, je communiquerai pas cette offre à ma cliente. Si vous pensez nous avoir en jouant ce petit jeu, vous vous trompez lourdement. Non? Ça a l'air d'être quelqu'un de brillant. Il est très gentil. Ouais. Mais féroce quand même, s'il me faut un avocat, je sais à qui m'adresser. Waouh, je devrais faire quelques plans d'ensemble de l'auberge pour la vidéo. On va passer plus de 3 jours ici pour le mariage. Oui, mais je devrais suivre la mariée. Lucie ne sera pas une mariée trop difficile, elle l'a promis. Elles font toutes cette promesse. Vous m'accompagnez? Tu plaisantes, j'espère. Oui. Moi, vous avez vu les conditions? Avec plaisir. Vous savez que ce n'est pas suffisant. Alors, comment peut-on être demoiselle d'honneur 9 fois et n'être pas mariée? Ça fera bientôt 10 fois. Ça fait un paquet de robes que vous ne remettrez jamais. Et un tailleur pantalon. Je devrais peut-être ouvrir une boutique et les louer pour de grandes occasions. Dans mon entourage, les couples gardent tous le même souvenir magique de leur première rencontre. Ils en suivent tout de suite. Et c'est ce que vous voulez? Mon dernier petit ami, Dylan, était vraiment un homme génial et... Entre nous, tout allait parfaitement bien. Il était même prêt à se marier. Et que s'est-il passé? Il voulait plus qu'un simple parfaitement bien. Mais d'ailleurs, il le méritait amplement. Je trouve qu'il est tout à fait légitime de vouloir être sûr. Je pense que tout le monde veut raconter aux autres un souvenir magique. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'on trafique l'histoire pour en faire un conte de fées. Vous ne croyez toujours pas au grand amour et au coup de foudre? Je ne sais pas. Je pensais avoir conjuré le sort et accepté le divorce de mes parents quand j'ai rencontré mon ex-petite amie, Ellie. Ça a été instantané entre nous. J'ai su que c'était la bonne. Et elle ressentait la même chose. Alors que s'est-il passé? Ça n'a pas duré pour elle. C'est fou comme on peut être sûr et se tromper tellement en même temps.
J'imagine votre déception. Mais vous ne pouvez pas renoncer sur la base d'une seule expérience. Et à force de chercher une histoire aussi spéciale, vous pourriez bien manquer une occasion quand elle se présentera. Mecca ! Ils servent les hors-d'œuvre. On y va ? Ça a été une jolie petite balade. Ouais. Allô ? Bonjour, Becca. C'est Oli de la boutique de mariée. Bonjour, Oli. Désolée, j'avais prévu de vous appeler plus tôt, mais j'ai été très occupée. Je n'ai pas eu une seule minute. Enfin, bref, on a tout vendu en 3 jours. Je vous envoie un chèque pour les premières pièces. Oh, mais 3 jours, c'est merveilleux. J'avoue que je ne sais pas quoi dire. Dites que vous en ferez d'autres. Et j'ai parlé de vous à notre fournisseur officiel. Si vos bijoux lui plaisent... Votre carrière est assurée. Vraiment? Mais il faut qu'il voie une vraie collection, pas seulement quelques pièces comme cette fois. Il va être sûr que vous pourrez fournir. Absolument, je me mets au travail tout de suite. Je ne sais pas comment vous remercier. Nous restons en contact. Très bien. Au revoir. La voie toute tracée vient de prendre un nouveau virage. Je peux peut-être réussir à faire les deux. Ah, voilà le sujet qui me manquera le plus quand je passerai mes journées sur un terrain de golf dans 2 semaines. Le calcul des intérêts cumulés. Mais vous lui manquerez tous. Vous allez nous manquer à tous les deux. Et heureusement, nous vous laissons entre les mains expertes de la meilleure du monde. Becca. Merci. As-tu signé le contrat? Non, je finis de le lire. Tu dois signer avant la semaine prochaine, c'est stipulé dans les clauses. Vous trouverez également le bénéfice maximal autorisé par personne à l'heure actuelle. Tu es probablement ma plus jolie création. Avec une franchise plus élevée, vous feriez baisser sensiblement vos primes mensuelles. Très bien. Est-ce qu'on t'ennuie à ce point? Non. Non, pas du tout. Je suis seulement débordée. Je suis en train d'apprendre le système de paix au travail, ce qui est loin d'être simple, et je me plie aux 4 volontés de ma cousine. Oh non! Tu me trouves trop difficile. J'avais juré d'être raisonnable. Non, tu es géniale. Et ce week-end sera vraiment parfait. Admets-le, Becca, tu ne nous dis pas tout. Que se passe-t-il? Voilà, je prépare une collection pour un fournisseur de bijoux. C'est Oli de la boutique de mariée qui m'a présentée et je dois la finir ce soir pour la livrer juste avant de partir pour ton mariage. Non, alors tu ne reprends plus la compagnie? Si, bien sûr. En fait, je vais faire les deux. Je vais être diplomate, d'accord, parce que tu es de la famille. Mais si faire les deux te met dans un tel état avant même d'avoir signé les papiers... Je ferai toujours passer l'affaire familiale avant tout et puis... Je ne sais même pas s'ils vont aimer la collection. Si tu penses que tu peux y arriver, tu peux compter sur nous. On te soutient, Becca. Merci, les filles. Très bien, il faut que je me sauve. Je dois encore passer des coups de fil, envoyer une police d'assurance et finir une collection. On se voit très bientôt. Au revoir. Wow, super. Tu ne devrais pas être déjà partie? Papa! Je suis seulement venue déposer quelques documents que Gloria doit vérifier en notre absence. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être en route? On a prévu partir vers 9h. Je suis juste venue récupérer mes affaires. Puisque le grand bureau sera bientôt le tien, je te fais un peu de place. Dis plutôt que tu rêves de filer d'ici pour aller jouer au golf tous les jours.
J'ai passé les plus fabuleuses années de ma vie entre ces murs. Maintenant, c'est ton tour. Et tu aimais vraiment ce que tu faisais ? Eh bien, quand tu as la possibilité de bâtir quelque chose qui est à toi et à toi seul, il n'y a rien de plus gratifiant au monde. Quand on fait ce qu'on aime, le travail n'est plus un travail, mais un plaisir. Tu t'en rendras très bientôt compte par toi-même, j'en suis sûr. Je sais. Ouais. C'est exaltant. Ouais. Je t'aime, papa. Je t'aime, Becca. Bon, allez, j'y vais. Je vous retrouve tous les deux à l'auberge. On se voit là-bas. Conduis prudemment. Toi aussi. Bonjour. Salut. Salut. Vous avez un ou deux conseils pour moi? Des conseils? Vu que je suis maintenant officiellement en service. Oh, tant mieux, moi ça fait 3 mois sans arrêt. Bon, dans ce cas, je vais vite retrouver Craig et rattraper mon retard. Elle va vous guider. Mais ce soir, je vous offre un verre et on porte un toast. Avec plaisir. Vous fêtez ça, on a tenu jusqu'ici sans se faire virer. Ne parlez pas trop vite, le week-end ne fait que commencer. On se retrouve d'accord, à l'intérieur. Tout de suite. Bonjour. Kai. Je peux vous aider à porter ça? Mais où sont toutes vos affaires? Mon assistant arrive plus tard avec l'équipement. Vous voyagez léger? Oh, vous trouvez? Vous avez apporté toute votre garde-robe? Comment allez-vous? Vous êtes prête? Non, je suis éreintée. Avec les assurances le jour et les bijoux la nuit, j'ai l'esprit un peu embrumé. Mais la collection est faite. Livrée hier. Mais j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts pendant 3 semaines. Il faut vraiment que je me ressaisisse pour Lucie. Et vous, vous avez respecté le délai? J'ai le film complet sur ma tablette. En fait, j'ai souvent une vision différente de mon travail. Quand quelqu'un d'autre est dans la salle avec moi, si ça vous tente, j'aimerais le voir à travers vos yeux. Ce serait comme une projection de test. Personne ne l'a encore vu? Juste les extraits que je vous ai montrés l'autre fois. Je veux un public qui prenne ça au sérieux. C'est mon cas. Je sais. Bon. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Oh, mais de rien. Alors, disons ce soir après le cocktail de bienvenue dans le coin bibliothèque qui est au 2e étage? Avec plaisir. Tu es la prochaine? À partir de dimanche, je suis la dernière célibataire, alors tout peut arriver. On se voit au cocktail de bienvenue. Et pour leur souhaiter tout le bonheur du monde, je vous propose donc de porter un toast. Alors levons tous nos verres à la santé de ma petite fille et de son futur mari. Santé! Santé! Je ne pleurerai pas. Et maintenant, que les festivités du mariage commencent! Accompagne-moi. Je pourrais engager du personnel? Je sais que tu as peur de les décevoir, mais tu dois choisir la voie qui est la tienne. As-tu fini par signer les papiers? Non, mais c'est prévu. Et si ton commerce de bijoux prend son envol, que fera... Becca! Eden! Salut! Vous en preniez un pour boire dans votre chambre? Oh, non. En fait, elle traînait sur la table. Je me suis dit que ce serait bête de la gaspiller, et puis on sait jamais, la mariée pourrait en avoir besoin ce soir. Oh, est-ce qu'elle est nerveuse? Pas du tout. Disons que c'est difficile de tout gérer, la famille et tous les détails, vous savez ce que c'est. Ouais, non, pas vraiment. Mais vrai qu'on vous école et hôtel novice. Heureusement pour nous, je suis un vieux loup de mer. C'est vrai. Vous savez, si jamais vous avez un peu de temps, j'aimerais beaucoup faire une autour de l'auberge. Les jardins sont magnifiques et les mariés ne nous trouveront pas là-bas. Ouais, avec joie. Disons demain, alors. Génial. Demain, c'est... c'est parfait. Bonne soirée. Vous aussi. Oh. Ça fait longtemps que vous êtes là? Je viens d'arriver. J'ai apporté des rafraîchissements, cadeau de l'oncle Paul. Oh, formidable. Merci, oncle Paul. Vous êtes prête? Plus que prête. Ah,
qui se tissent entre nos chiens militaires et les soldats qui s'occupent d'eux sont très profonds. Ils se protègent mutuellement. Ils ont besoin les uns des autres. Elle a réuni Adam et Emra. Vouloir embarquer le public dans un voyage d'1h30 qui finirait mal, ce serait très malhabile de ma part. Je sais, mais c'est justement ce qu'il y a de fabuleux. Je brûlais d'impatience de connaître la fin alors que je savais ce qui allait se passer. Et quel beau sujet. Oui. Votre mère est extraordinaire quand les gens vont voir ça. Ouais. Enfin, c'est pas encore terminé. La musique est bien trop triste par moments, je dois la changer. Je n'ai rien remarqué, croyez-moi. Je me suis laissée emporter par cette histoire. Oui, mais moi, je vois tous ses défauts. Je dois la retravailler. Je sais combien ce projet vous est cher, mais il a sa destinée à vivre. Il faut vraiment qu'il prenne son envol. On n'a droit qu'à une chance avec les producteurs. J'ai 5 minutes pour convaincre ou ils décrochent. Il faut que tout soit parfait. Si seulement vous pouviez voir, ne serait-ce qu'une seconde, tout le talent que je perçois en vous. Merci. Comprenez-moi bien, je sais que c'est pas mal, mais... il faut que ce soit excellent. Vous n'êtes pas aussi pointilleuse que les producteurs. Et en plus, vous m'aimez bien, ce qui veut dire que vous n'êtes pas objective. Vous présumez que je vous aime bien, tout à coup. Est-ce que je suis trop présomptueux? Non, vous avez raison. Et j'aime énormément votre film. Et je crois que vous devriez sauter le pas. Et vous? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire, alors? Ah, mais j'ai sauté le pas. Maintenant, tout va dépendre de l'avis de ce fournisseur. Non, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres gens dans ce milieu. Mes parents sont tellement contents de s'arrêter. Rien ne les en empêche. D'autres options s'offrent à eux. Et puis, ils veulent sûrement que vous fassiez ce que vous aimez. Je crois qu'ils sont convaincus que j'aime les assurances. Et c'est faux. Totalement. Qu'allez-vous faire? Je l'ignore, mais je vais avoir des décisions à prendre. Bonsoir. Est-ce que vous avez des photos de vos bijoux? Sur mon ordinateur, oui. Envoyez-les-moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Quoi? Vous verrez. Votre conte de fées commence à peine, mais je peux l'aider à bien se terminer. Je prenais le temps de réfléchir. À quoi, si ce n'est pas indiscret? Au risque. Ah, très bon jeu de société, super amusant. Vous ne m'avez pas demandé de conseil, mais je sais ce que c'est de prendre des risques. Souvent, l'herbe a l'air plus verte vu de loin, mais quand on se rapproche et que l'image devient plus nette, on s'aperçoit qu'il y a seulement quelques brins de couleur plus vives. Vous parlez en connaissance de cause? Un beau jour, je me suis réveillé sans savoir si je voulais continuer à faire du droit. Alors, j'ai ouvert un restaurant de cuisine fusion. Ça a duré 4 mois jour pour jour. Que s'est-il passé? Eh bien, rien de grave, mais cette expérience m'a transformé. J'ai mûri, j'ai évolué. Et c'est ce qu'il y a de bien, on apprend toujours de nos échecs. Mais assez parlé de ça, profitons de la matinée avant que les mariés nous convoquent. Vous avez eu droit à un mariage facile, en fin de compte. Pas un seul accroc pour l'instant. Pas mal pour votre premier rodéo. Un compliment du maître en personne. Ah, vous êtes là. Je vous cherche partout. On faisait une balade, t'as un souci? Tout va mal, tout va très mal. Qu'est-ce que vous disiez il y a une minute? J'ai dû attirer le mauvais sort. Alors explique-nous ce qui t'arrive, Lucie. Très bien. Devinez quoi? Mabel, mon organisatrice, s'en va. Quoi? Elle quitte le mariage? Non, elle quitte son travail, elle s'en va. Je n'ai plus d'organisatrice de mariage. C'est affreux, c'est ça, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe. Ce n'est qu'un léger accroc, tout au plus. Un accroc, non, mais vous plaisantez. Il faudra plus qu'un bout de ficelle pour le recoudre. Bien sûr, on va simplement s'en occuper tous les deux. Moi et Eden. Vous croyez? Parfait. Parce que nous sommes là pour ça. Vous feriez ça? Oui, parce qu'il n'est pas question de laisser quoi que ce soit gâcher votre mariage. Maintenant, tu montes en vitesse et tu t'habilles. Je te rejoins dans une seconde. Avec une paire de collants, je n'ai pas pris de collants, c'est l'autre catastrophe. J'en ai apporté 4 autres paires, aucune inquiétude. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Becca? T'irais en courant t'acheter une paire de collants. Allez, monte. Vous me direz ce qu'il faut faire, j'espère? Tout à fait. Dès que je saurai comment m'y prendre moi-même.
laisser tomber. J'ai assisté à suffisamment de mariages pour savoir comment ça marche. Ça va aller. Oh, j'espère que oui. T'es prête? Non, j'ai l'ordre du cortège à finaliser d'abord. Mais toi, tu peux descendre. Va prendre un verre et surtout, détends-toi. Prends soin de tes invités et fais-moi confiance. Merci, Becca. Je vais régler ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voyons voir. Les Mathieu. Luce? Luce? Qu'est-ce que t'as oublié? Kyle? Mon assistant est déjà en place, je dois filer jusqu'au serre. Mais j'avais quelque chose à vous montrer. J'ai bricolé ça hier soir, après qu'on s'est quitté. Vous avez fait tout ça la nuit dernière? Ce n'est qu'une maquette, pour l'instant. On en reparlera. Mais d'ici là, je vous laisse la tablette. Alors, regardez ça tranquillement. Rêvez un peu. Mais s'il vous plaît, faites-y attention. Mon film est dessus. Je vous promets d'en prendre grand soin. Merci beaucoup, Kyle. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien. Tout va même très bien. Il y a longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien en réalité. Ensuite, Ali et Dan, vous remontez l'allée centrale. Voilà, parfait, vous êtes magnifiques tous les deux. Avancez lentement pour que tout le monde puisse vous admirer dans vos somptueuses robes jaunes. Navré de ne pas vous être plus utile. Mais vous savez vraiment relever un défi comme personne. C'est parce que je suis une vraie pro. Et juste avant les mariés, nous avons le témoin et la demoiselle d'honneur. Vous êtes prêts, monsieur? Oui, allons-y, ma chère. Oh, vous faites vraiment un très beau couple, tous les deux. J'avoue qu'en fin de compte, ils n'ont pas complètement tort. Ils ont peut-être du flair. Becca, est-ce que c'est à nous? Oui. On y va ou non? Oui. D'abord la musique pour la mariée. En fait, dès que j'arrive au bout de l'allée, lancez la musique. Ensuite, notre porteuse de fleurs sème les pétales. Avance, mon ange. Bravo, c'est super. Et c'est à vous, oncle Paul. Vous attendez un instant et vous remontez tout doucement l'allée centrale. Ah, vous êtes là. Je vous cherche partout pour filmer votre interview, puisqu'on a un peu de temps avant le repas. Vous voulez m'interviewer? Votre oncle exige un témoignage filmé d'absolument tout le cortège. Qu'en dites-vous? On se fait un petit interrogatoire? Très bien, je vous suis. Qu'est-ce que vous allez me demander? Des choses très compliquées. Par exemple? Votre couleur préférée, plat préféré, dinosaure préféré. Mon dinosaure préféré. Alors, qu'aimeriez-vous dire à Lucie? Coucou, Lucie. Tu sais que je t'aime. Tu es ma cousine et ma meilleure amie et tu devais être ma mère dans une vie antérieure parce que tu es constamment sur mon dos. Est-ce qu'on peut couper un petit instant? Oui. Je ne veux surtout pas dire ce qu'on dit généralement aux autres mariages. Parce que, étonnamment, celui-ci ne ressemble pas aux autres mariages. Peut-être que les choses changent. Oui, peut-être. Alors, dites-moi ce que Lucie a de spécial, d'après vous. Eh bien, disons que Lucie fait partie de ceux qui n'en font toujours qu'à leur tête et qui ne suivent aucune règle et qui s'en sortent quand même gagnants. J'ai souvent dit à Lucie qu'elle était venue au monde sous une bonne étoile. Et elle me répondait chaque fois: ce n'est pas de la chance, il suffit de croire qu'on peut obtenir ce qu'on souhaite. C'est très vrai. Je sais. Essayons de refaire ça en branchant la caméra. 3, 2, 1...
dans le bonheur. Hein. Encore heureux, oncle Paul. Il se marie demain et tout est parfait. Tu organises vraiment de très belles fêtes. Oui, mais je n'aurais pas réussi tout ça sans ton aide. Tu es tellement calme. Lucie s'affole vite, pourtant je n'ai pas senti le moindre stress. Mais peut-être que je cache seulement mon jeu. Vous êtes la famille, on peut s'entraider et crois-moi, quand mon tour viendra, je compte bien vous demander une montagne de services. Oh, il viendra. Je ne me fais pas trop de soucis pour toi. Becca, m'accordez-vous cette danse? Avec plaisir. Aujourd'hui? Je le ferai dès que j'aurai un peu plus de temps. Super. Il vous reste à écrire un topo sur votre histoire. Et n'oubliez pas, la fin dépend toujours uniquement de vous. Quitter les assurances pour monter ma propre entreprise de bijoux n'a pas été une décision facile à prendre. On est animé par une véritable passion. Faire le grand saut en étant convaincu qu'un filet viendra arrêter la chute devient soudain une évidence. Avec chacune de mes créations, j'espère insuffler à mes clients le désir de réaliser leurs rêves et de briller comme les joyaux que nous sommes tous. Vous avez fini? Oui, il ne reste que votre oncle Paul et ses copains au bar. Il veut que je garde mes forces pour demain. Mais je crois surtout qu'il ne tient pas à me voir filmer leurs frasques. Peu importe, puisque vous coupez les scènes embarrassantes au montage. En effet. Qu'est-ce que vous faites ici toute seule? Ce n'est qu'une ébauche et je dois le retravailler encore un peu avant de le mettre en ligne. Mais c'est fait. Vous êtes vraiment sûr? Vous n'avez pas de nouvelles du fournisseur? Ça ne change rien du tout. Je prends le risque et je le fais pour moi. Je monte mon entreprise de bijoux, c'est décidé. C'est très motivant, je trouve. Quoi donc? Eh bien, de vous voir faire preuve d'un cran pareil. Le plus dur, ce n'est pas vraiment de faire ce choix, mais de devoir l'annoncer à mes parents. Cette décision n'affecte pas que moi. Je sais. Mais ce sont des gens bien. Et une fois qu'ils sauront ce que vous éprouvez, au fond... Je ne fais pas facilement confiance aux autres. À cause de blessures de guerre, sans doute. Dur de fendre l'armure. Je ne sais pas. On ne peut peut-être pas se blinder indéfiniment. Non, en effet. Vous devez montrer votre documentaire. Je sais. Et je le ferai. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je parlais. Sans même m'en rendre compte, j'ai baissé la garde avec vous. C'est peut-être ce que vous entendiez par simple et évident. Oui, je ressens la même chose. Tu es par là? Je devrais probablement. Gardez ça. Finissez-le. On le mettra en ligne. Bonne nuit, Kyle. Bonne nuit. Ah, te voilà. Je faisais une petite balade en observant les étoiles. Quel endroit magnifique. Oui, je sais. C'est le lieu parfait pour se marier.
Je monte me coucher. Est-ce que tu veux venir avec moi? On pourrait se faire un masque. Il est hors de question que j'ai les yeux gonflés le jour de mes noces. Jamais je ne permettrai ça, voyons. Je prends mon rôle trop au sérieux. Je sais bien. Allô? Bonjour, ici Oli de la boutique de mariée. Oh, bonjour Oli. Écoutez, je sais que c'est le grand jour et que vous devez être débordée, mais j'avais hâte de vous annoncer la nouvelle. Notre fournisseur de bijoux a tout simplement adoré votre collection. Il aimerait vous rencontrer la semaine prochaine. Oh, Oli, c'est vraiment fabuleux. Je vous laisse. Et surtout, amusez-vous, je lui envoie tout de suite vos coordonnées. Il vous contactera dès que possible. Merci de m'avoir donné une chance. De rien, tout le plaisir est pour moi. Je vous revois bientôt alors. Au revoir. Au revoir. Salut Becca. Oncle Paul. Tu souffles un peu avant la tempête. Lucy est en train de se faire masser, alors je patiente ici jusqu'à ce qu'on commence à se préparer. Oh. Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout, juste le film d'un ami vidéaste. Un film sur les chiens militaires? C'est un documentaire. Fait par un ami à toi. Kyle. L'homme que tu as engagé pour filmer le mariage. Ah, je vois, oui. Très gentil. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Je dois tuer le temps avant la cérémonie et j'ai bien besoin de me distraire. D'accord. Oh, génial. Oh, wow. Commence pas. On va avoir l'air de raton laveur sur les photos. Je sais, mais regarde-toi un peu. Waouh! C'est fou, non? Merci beaucoup d'avoir rendu cette journée inoubliable. Et merci de m'avoir tellement aidée et d'avoir géré mon stress. Et pris soin de mes yeux gonflés. C'est mon rôle, c'est normal. Oh, j'y vais, ne bouge pas. Même en robe jaune. Est-ce que vous n'êtes pas censé regarder la mariée? Impossible. Si vous l'aidiez à mettre son voile pendant que je m'active. Ok. Kyle, je tremble un peu, alors faites en sorte que ça ne se voit pas trop à l'image. Vous êtes resplendissante, Lucy. La plus belle mariée que j'ai jamais vue. Je parie que vous dites ça à tous les mariés. C'est vrai. Mais là, je le pensais. Ça, la boutonnière, tout est parfait. Fermez la veste. C'est bon. Magnifique. Oui, c'est vrai, je suppose. D'accord, je vous donnerai la partie. Salut. Enfin, bref. Alors, Kyle, vous avez ce qu'il vous faut? Oui, ça va. Je couvre tous les angles prévus. Ah, parfait. On est à quelques minutes du grand moment de vérité. La scène principale. Exactement. Au fait, vous m'aviez caché vos talents de réalisateur de films, Kyle. Je fais tout ce que je peux pour saisir de mon mieux l'heureux événement. Non, je ne parle pas de vos vidéos de mariage, mais de vos documentaires. Sur les chiens militaires, par exemple. Désolé, je ne suis pas sûr de comprendre. Je n'ai pas encore pu le regarder en entier, mais... Comment avez-vous eu... Oh, Becca m'a montré un peu le début. La journée risque d'être chargée. Je ne pourrai pas visionner le reste avant demain. Non, il n'est pas tout à fait prêt. Oh, j'ai l'habitude des montages préliminaires. Mais pour tout vous dire, je n'ai encore jamais produit un seul documentaire. Oh, le spectacle commence. Mais... On s'en reparle tout à l'heure. Super, Lucy a changé d'avis, désolée. Je vais lancer la musique dans 2 minutes. Faites un beau sourire. Kyle, j'ai réussi à calmer Lucy. Elle ne tremble plus de peur, mais d'excitation. C'est super. Rien de plus normal.
Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de votre partenaire? Je voudrais faire une prise de vue avec tout le monde. Et j'ai parlé à la responsable des cuisines. Elle va respecter l'horaire pour que je puisse profiter de la fête. Super. J'en ai pas la moelle. Kyle, ça ne va pas? Écoutez, je suis très occupé. Et vous aussi, même si vous avez trouvé le temps de montrer une partie de mon film à votre oncle. Je vous avais dit qu'il n'était pas fini. Kyle, il est arrivé pendant que je le visionnais. Il sait que ce n'est pas la version finale, alors tout va bien. Non. Non, ça ne va pas, au contraire. C'était à moi de décider qui pouvait le voir. Il a eu une première impression d'un film inachevé. Et je ne pourrai jamais rattraper ça. Je me remets au travail, on retarde le mariage. Tout le monde est prêt? C'est super. Je vais te présenter une invitée. C'est une des collègues de ton oncle et son mari est agent immobilier. Il veut nous recommander à tous ses clients qui ont besoin d'une assurance. Maman. C'est une occasion en or avant de nous succéder. Allez, viens, laisse-moi t'y prise. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive, Becca? Écoute, je suis vraiment fière de notre compagnie. De ce que vous avez bâti, papa et toi. Mais... Tu ne nous succéderas pas. Je veux créer mes bijoux et les vendre. Et le faire à temps plein. Je me suis démenée pour concilier les deux, seulement ça ne fonctionne pas. Pourquoi n'as-tu rien dit, chérie? Ça signifiait tellement pour vous. Seulement parce qu'on pensait que c'était aussi ton souhait. Mais ça compromet tous vos projets. Est-ce que tu sais combien d'offres on a déjà eues pour la compagnie? C'est une affaire lucrative, tu sais. J'en suis sûre. Enfin, je te laisse quand même annoncer à ton père qu'il devra attendre un peu avant de pouvoir prendre sa retraite pour de bon. Je lui dirai demain pour qu'il puisse s'amuser tranquillement ce soir. Merci, maman. Voilà. Becca, je n'ai pas le temps. Kyle, s'il vous plaît, accordez-moi un instant. Je suis vraiment désolée de m'être interposée, mais votre film est fini. Ce n'est pas à vous d'en décider, mais à moi. Un ou deux ajustements ne changeront rien à la trame de l'histoire qui est magnifique. Et même si mon oncle n'en a vu que les premières minutes, ça l'a captivé. Il n'allait pas vous dire le contraire, vous êtes de la famille, il voit ça comme un service. Il m'a demandé ce que je regardais. Je lui ai montré à contre-cœur, croyez-moi. Mais il ne mâche pas ses mots, il n'aurait pas menti, il est très impressionné. Il s'est développé quelque chose de très fort entre nous ces 5 derniers mois. Je suis sûre que vous l'avez ressenti aussi. Vous pouvez continuer à fuir ce que le destin vous a offert, mais moi je ne me mentirai plus. Et jamais je n'irai m'excuser d'avoir osé croire en vous. Toujours absorbé, plongé dans vos pensées. Vous devez bien admettre que c'est un endroit merveilleux pour prendre le temps de la réflexion. C'est vrai. C'est d'ailleurs dans ce même lieu que j'ai eu de nouvelles révélations. Eden, je trouve que vous êtes quelqu'un de fantastique. Mais ? Mais mon cœur bat déjà pour un autre. Et même si
Je pense que ça ne mène nulle part. Ce ne serait pas très honnête de ma part d'entamer quoi que ce soit avec vous. J'apprécie votre franchise. Mais ce gars-là, peu importe qui c'est d'ailleurs, il faut qu'il soit cinglé pour repousser une femme comme vous. Ah, vous êtes là ! Eden, tu es attendu pour les photos. D'accord. J'avais écrit un magnifique petit discours, comme à mon habitude. Mais l'occasion est unique, alors je veux que celui-ci vienne directement du cœur. J'ai toujours pensé que le grand amour devait être instantané et facile. Qu'une fois l'âme sœur trouvée, il n'y avait plus de lutte, plus de drame, qu'on avait enfin la chance d'être accepté tel qu'on est et d'être aimé pour ça. Mais sur le caractère instantané de l'amour, je me trompais entièrement. Parce qu'à force de regarder Lucie et Craig évoluer ensemble au fil du temps, je me rends compte que le grand amour, le vrai, consiste à toujours s'encourager mutuellement, s'inspirer réciproquement et s'inciter à faire mieux qu'on pensait en être capable au départ. C'est un amour qui pousse à tout risquer pour voir celui que l'on aime réaliser même ses rêves les plus fous, parce qu'on croit profondément en lui. C'est un amour qui comble et nourrit. Lucie et Craig ont la chance d'avoir trouvé cet amour et on aimerait tous pouvoir en dire autant. Alors levons nos verres à la santé de Lucie et Craig. Qu'ils aient une vie pleine de bonheur tous les deux. À Lucie et Craig. Vous m'avez interrompu en plein gâteau. Encore une fois. Désolé. Je fais une pause quand je peux. Je sais. J'ai passé un accord avec la serveuse. Elle a accepté de m'en garder une ou deux parts. Prévoyante. Ça me plaît. J'ai adoré votre discours. Je l'ai trouvé parfait. Quelle partie ? Tout, en fait. Mais surtout l'idée que c'est moins difficile de prendre des risques lorsqu'on a la personne qu'on aime à ses côtés. Quelqu'un qui donne envie de se surpasser et de faire toujours mieux. Et je le pensais. Et je serai toujours là pour vous. Enfin, si je vous avais à mes côtés. J'aimerais beaucoup. Avec vous, ça a toujours été... une évidence. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé, comme dans la maladie. Dans les diamants et les cristaux, jamais les perles. Dans les avant-premières et les salles de montage. Au milieu des banquets et des pièces montées. Et loin de l'œil des caméras. Pas de repos pour la demoiselle d'honneur de service. Lucie attendra 2 minutes.
L'amour reste plus fort que tout. La preuve avec votre second téléfilm de l'après-midi. La femme interdite, c'est tout de suite.